C'est quoi les Hongrois? Je connais pas, les gars. Malien, Inca, Bulgare, Bohémien, Teuton. Oh, les chevaliers teutoniques. Oh, c'est les... C'est les Ouscarles. Cavalerie, ok, 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 ok. Ouh. Pop, pop, pop. Ça c'est pas des archers de caf, ça. Ça, c'est du cac, mon gars. Oh, merde. Et merde, forcément, il vient me raser. Attendez. Oh, putain. Et merde. Et merde. J'ai fait un très mauvais choix de jeu. Il va prendre une de mes portes. Quel enfer. Vous savez quoi, je vais lui laisser porte. Allez, moi, si je peux le faire... Oh là 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 là, mais putain, j'ai mon contre encore, mais c'est pas possible! Pourquoi j'ai pas de chance, putain? J'ai aucune chance. Je tombe encore, mais le mec a que de la chatte! Le mec, à chaque fois, il a mon contre parfait! Je ne peux rien faire! Je peux rien faire! Chaque fois! Allez hop. Oh, j'ai honte. Je viens de faire... Les gars, je viens de voler. Non mais regardez ça. Je peux rien faire. Il vient me raser avec ces trucs de merde. Non mais non. Je me suis pas suicidé sur un film, mec. Non mais, à quel point j'ai une faction de merde? Pépé, je te hais, je lui ai volé sa porte! Non mais vous vous rendez compte à quel point ma faction c'est de la merde? Pourquoi j'ai ce genre de faction pourrie là? On en parle là? Et regardez, il vient avec une armée! Je peux littéralement rien faire! Il me rase! Non mais c'est infernal! C'est pire que Byzantin, cette faction pourrie là! Ah, j'ai aucune chance. Il me rase comme ça! Allez, c'est bon. On est un peu salé, hein. On est un peu salé. J'en ai plein le cul. Injouable, on me donne des factions pourries. Disons que les Byzantins sont même meilleurs, je pense. Les Byzantins auraient eu des dégâts là. C'est quoi cette unité de merde là? Les élites Ouskarl, mon cul, ouais, c'est de la merde les hussards. Bon, là pendant ce temps là, un fil à repousser avec ses Gepto élites. Pendant ce temps, et regardez les chevaliers teutoniques. Oh là là, hey, je suis pas le seul à me faire raser. Je suis pas le seul à me faire raser. Dragne, 54 mois. Oh là là, les chevaliers teutoniques sont en train de le DPS. Pff. Oh, le bohémien, il a les chariots bohémiens. Il a les chariots hussites. Alors ça, c'est fun. Ça, c'est très fun. Est-ce que ça va tenir contre le Teutonique? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas si ça va tenir. Oh, il a récupéré les portes et tout. Oh là là, oh là là. Oh, c'est compliqué, hein. C'est très très fort, Teutonique, hein. C'est tellement des sacs à PV et à DPS. Oh là 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 là, les Vikings. Le problème, c'est qu'en face, il y a du tirailleur. Ça va commencer à contrer. Et regardez, ça arrive, c'est un plan à 3, les gars. C'est un plan à 3 sans que vous avez pas été invités.
Vous arrivez sans la vaseline chez le copain! Ouh là 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 là! Ils vont se battre entre eux! Kittle! Oh la bagarre! Oh le DPS! Ils se battent entre eux, les sauvages! C'est beau! Un! Et il a une sacrée masse de... Et les wagons ici, ça DPS, hein! Oh là là, un fils, c'est compliqué! Un fils avec ses maliens! C'est très compliqué en face, il a les coniques! Il a les unités qui meurent et qui se relèvent! Oh là là, mais le DPS qu'il envoie, un fils! Par contre, là, il va se faire contrer par les tirailleurs maintenant! Eh ouais, les tirailleurs! Les tirailleurs! Aïe 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 aïe! Un fils, malheureusement, n'a pas. Oh, un fils, malheureusement, il n'a pas eu les paysans. Un fils, c'est. Il lui faut peut-être 3 portes ou plus. Et il n'a pas eu, toutes les factions n'ont pas les mêmes conditions pour avoir des paysans. Et là, malheureusement, un fils n'a pas eu les paysans. Pendant ce temps, ça construit, ça y est. Kittle, après m'avoir humilié... Kittle m'a humilié, hein. Il m'a rasé avec ses unités T1. C'est une humiliation en live. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, on n'avait pas vu ici, mais ça... Il l'a pas rasé. Il l'a pas rasé, le Totonic est à 500 kills. Il est à l'âge impérial, le Toton. Les paysans. Il tue les paysans. Il a tué les paysans. C'était des paysans, ça? Ou j'ai mal vu? Oh non, il sacrifie tout le... Non, c'est pas des paysans. Ça ressemble à des paysans, mais c'est les unités, en fait. Pardon, je dis des bêtises. Oh, les 40 bits, là. Oh là là, et là, le... Pff, non, mais, hé. Kittle, je te laisse. Ok, ça fait de la diplo. Et là, le pauvre infi qui peut pas construire. Par contre, infi, à un moment, peut-être qu'il pourrait aller raser un des bâtiments. Siège workshop. Allez, ça dépote. Attendez, mais infi a des paysans. Infi a des paysans, il construit, regardez. Le vilain. Là, un fille. Regardez le DPS qu'il envoie, un fille. Mais c'est quoi cette portée de zinzin? Ouais, même pas tant que ça, mais ça bosse, hein. Ici, la guerre continue. La guerre éternelle. Et là, Lurtz va tomber, va passer à l'attaque. Oh, regardez, Lurtz, la mauvaise surprise que ça va être. La mauvaise surprise que ça va être pour Ancelot. Eh oui, regardez! Coucou! Oh là là, là, il se feed sur Yaksekon, le pauvre. Ouais, Malé, c'est de la merde, hein. Face à Totonic, c'est terrible, hein. Les frondeurs Inca, là, ils DPS, hein, regardez, là, ils se régalent, hein. Oh, pff. Regardez, ils se relèvent! Oh, l'animation est géniale, hein. Oh là là, il se barre. Alors, le joueur violet, c'est qui? Ah non! Âge impérial pour le Yatsekon qui est toujours vivant. Ah, il y a les béliers qui arrivent. Ça va être compliqué à gérer. La masse de béliers, les cavaliers. Je crois que ça va être la fin pour lui. Hein. Il y a les tireurs qui sont là aussi. Ah ouais, non, là c'est terrible. Il avait un très mauvais match-up. Pas aussi mauvais que moi, parce que moi j'ai pas eu de chance. Qu'est-ce qui glande l'Earth là? Non mais, il est à combien de kills? C'est qui? L'hostie, c'est quel? 1, 2, 3... Ah, je sais pas, c'est quel joueur. Le Malé fait du kill, mais pas assez. Il se fait farmer, en fait. Et un fille qui est parvenu à contre-attaquer un petit peu. Un fille qui s'accroche dans cette game. T'as les numéros à côté des noms. Ah oui, joueur 4, bien vu. Joueur 5, il a fait 600 kills. C'est le premier en kill de la game. Losty, 600 kills. Il est en train de DPS le Viking. Et les DPS de ces wagons Hussites. Oh là 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 là.
Oh, par contre, joueur 2, là, ça monte vite aussi. Là. Joueur 2, c'est un fi. Là. Joueur 2, c'est un fi qui DPS. Un fi qui fait ses... avec ses cavaliers, il va choper les hussards. Les hussards, les tirailleurs. Oh là 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 là, elle est. Un fi est sorti de sa base, hein. Un fi est à la contre-attaque, il a fait le gros dos. Il a fait le gros dos et maintenant, ça bosse. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Oh la masse ici. L'Urtz. Un fils stun les villageois. Ouais, mais les villageois, ils sont planqués, je crois. Il y a un château qui est tombé. Oh, les teutons. Les teutons ont des bonus de porter des châteaux. Il faut connaître les factions qui ont des bonus. Il faut connaître les factions qui ont des bonus avec leur château. Les Britons, les Teutons ont des bonus de portée. Et là, il est en train de... Il faut raser ces gens en priorité. Si vous voulez pas qu'ils vous tuent. Parce que peut-être que là, Orslo, il va encore se faire avoir comme face à l'Anglais tout à l'heure. Il va se faire avoir parce qu'il va laisser en vie un mec plus dangereux. Alors, les châteaux, les tireurs britons sont super dangereux, mais là, les châteaux teutons font aussi mal. Regardez un fi qui a encore rasé un bâtiment. Il est chaud, un fi, hein. Un fi est super chaud. Un fi, il sait jouer, hein. Un fi, il a très bien compris comment fonctionne Castle Blood. Faut raser la prod. Les unités, on s'en fout un peu. Il faut raser la prod en priorité pour empêcher l'autre joueur de produire. PP pour combien de subs? J'ai pas envie. Oh non, non, du EU4. Et Glap, c'est pas dispo, c'est non plus. On a des vies. Non, malheureusement, c'est pas une question de subs, c'est une question que. C'est pas possible. Eh! La bagarre, il se fout sur la gueule! Kittel est à l'attaque! Contre le Viking! Oh là là, elle. C'est absurde. C'est absurde, mais je trouve ça génial, moi. C'est vrai qu'on a encore 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 joueurs en vie. Oh, il reste plus qu'un château. C'est la fin. C'est la fin. Il essaie de survivre. Y'a que ses connes. Avec sa faction de merde, là, le pauvre. Et ouais, ça y est, commence à sortir. Y'a du canonnier à main. Et un fi, le Tchad. Un fi qui rase la prod. Regardez, un fi, ce qu'il fait. Mais les châteaux sont morts. Orslo. Eh ouais, Orslo s'est fait raser. Je ne sais pas comment. Les châteaux. Il fallait peut-être faire une trêve avec un fi, hein. Raser le teuton, hein. En priorité, hein. Terrible, hein. Oh bah là, un fi va se régaler, hein. Un fi va se régaler. Un fi qui revit, regardez-le. On le croyait mort. Il a fait esprit de croire qu'il était mort. Regardez-le comment il a optimisé. Un fi, la praque en solo. Oh là 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 là, un fi. Oh, il a... Pff. Oh, le viking. Le bohémien, le bohémien attaque les bâtiments. Alors, le bohémien a des paysans. Hein. Regardez, le bohémien a déjà fait des camps d'archers, du tirailleur. Il a des bâtiments. Et ça attaque. Faction nulle, à mon pauvre Yatsekon. T'as survécu. Moi, ma faction était tellement nulle, la mienne, qu'il a rasé mes châteaux avec ses unités directement sans... Sans bélier. Je vous interdis de vous plaindre. 1. Je vous interdis de vous plaindre. J'ai eu la game la plus terrible qui soit. Je me suis fait one shot OS par un mec avec ses unités sans support. Oh, attendez. Je crois qu'il y a du paysan qui est tombé ici. Ah non. Si, joueur 2, il a tué des paysans. Un fi a tué des paysans. Un fi en train de tuer. Oh là 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 là. Il y a aussi du paysan qui est tombé. Ouais, là-bas c'était foutu. La trahison d'un fi. Un fi qui retrahit un joueur. De nouveau. Et là, les stats de. Oh, les stats de ces unités se sont effondrés. Eh ouais, perdre des paysans, c'est catastrophique, hein. La montagne de sel. Écoute, je me suis quand même. C'est honteux cette game. Tu peux pas nier que là. Le tirage au sort a quand même été vachement détestable, hein. Et regardez un fi à l'attaque. Un fi,
Infi démonte tout le monde, hein. Oh là là, les cavaliers d'Infi, ça fait 42 dégâts, hein. Infi, il est chaud, hein. Regardez Infi, l'animal. Comment il a opti ça? Et là, le chevalier teutonique est en train d'attaquer ici. Eh, sacrée bagarre, hein. Ils se foutent tous sur la gueule, hein. Y a beaucoup de monde dans cette game encore. C'est beau. Non mais Castle Boot, c'est génial, hein, je suis désolé, hein. Là, ils sont encore 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 dans la game. Et un fille en train de raser avec ses Elite Geptko, là. 18 de portée. 38 de DPS. Regardez ça, comment ça tombe. Un fille va encore tout foirer au dernier moment. On peut reconnaître une chose à Infi quand même, hein, c'est qu'il a une paire de couilles. Hein. Regardez ça. Regardez. Rien à foutre. Hein. C'est l'empereur, les gars, Infi. C'est l'empereur de Castle Blood. Qu'est-ce qu'il est con, mais c'est génial. Oh là 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 là. Le pôle en avance. Il y a encore du temps, là. Ça va, il reste encore 45 minutes in-game. Et... le viking en train de craquer, hein. À un moment, on mettait le hussard mort, là. On mettait l'hostie mort avec le bohémien. Ça DPS, hein. Il perd ses villageois, il est mort complètement, mais il s'en fout. Tu apprendras qu'un fil n'a que faire de ce genre de détails. Andréade, regarde. Alors qu'il pourrait séparer ses paysans pour faire deux masses et construire plus rapidement, il choisit de les faire un par un. Un fil s'est découvert une passion pour Castle Blood. Il a tryhard en solo. Oui, oui, un fils à tryhard de Castle Blood. Et regardez-le! Avec ses armées de cavaliers! Oh là là, il rentre dans la base. Mais quel PGM! Un fils attaque les châteaux! Un fils, le château! Non mais il s'en fout, il fait tellement de DPS avec ses cavaliers. Le château, un fils! Attaque le château! Infi, le but c'est de raser les châteaux ennemis, rase-les! Oh oui, Kittle! Kittle a arrêté! Infi a tué Kittle! Oh là là! Oh là 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 là! Les paladins! Oh là là, regardez! Je crois que. C'est pas fini, hein! Le viking est toujours en vie, mais dans un état compliqué. Et là, le bohémien parvient à sortir, à attaquer un fils. Oh là là, un fils qui se retrouve là. Et ils se foutent tous sur la gueule, c'est n'importe quoi. Oh, le paysan, un fils, le paysan. Le paysan. Oh, il s'en sort, mais c'est fou. Oh là là, un fils qui DPS. Il est balèze, Infi. Il a pas perdu de paysan. 42 de dégâts. Et il y a encore un paquet de joueurs. On a perdu Kittle, bien fait pour sa gueule. Hein? Oh là 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 là, ça va au cac. Allez, ça avance. Rasez les bâtiments de prod, les gars! Arrêtez de tuer les petites unités, les bâtiments de prod! Raser la prod! Voilà, un fil, il a compris! Il essaie de target la prod! Parce qu'après, il faut amener des paysans, reconstruire! Et c'est vachement risqué! Regardez, un fil, il détruit les bâtiments de production! Il a compris comment ça se joue! Par contre, bon, il a des petits problèmes avec le pathfinding des unités, de sortie des unités. Castle Blood, c'est un jeu d'autiste! Comprenez bien, c'est un jeu de prod et d'autiste. C'est pour ça qu'un fils est aussi bon. C'est que c'est fait pour lui, ça a été fait pour lui. Il s'est découvert. Vous savez, il y a des gens, ils vivent toute leur vie sans découvrir à quoi ils sont bons. Un fils a découvert qu'il est bon à Castle Blood. Et il est en train de le montrer. Matez-moi cet animal, il attaque le teuton. Bon, ça se passe mal face au chevalier teutonique qui DPS comme des zinzins. Allez, dans les tireurs. Alors, joueur 7, Lurtz qui vient de passer les 500 kills à l'âge impérial. Le pauvre Lurtz qui est acculé à sa base. Mais attaque-le! Bourre-le et détruis sa production!
Il est seul à Bourleux. Rentre-lui dedans, détruis ses bâtiments. Faut pas avoir peur, c'est un jeu de... Faut claquer, là. Il faut lui bourrer le mou, hein. Faut pas lui laisser le temps de souffler, là. Tu rentres et tu lui... Voilà, regardez, regardez, ça tire. Je sais pas avec quoi... Oh, attendez, mais la portée, 28 de portée. Matez la portée de zinzin des chariots. 28. Viens raser les châteaux, maintenant. Voilà, voilà. Il rase les châteaux. C'est parti. Regardez les PV du château en bas à gauche. Les PV du château. Mais oui, y'a que toi qui a pas le son d'activé. Allez, un château en moins. Oh, un fille qui vient backstab. Écoute, hey, c'est bien s'ils ont le son d'activé. Ils ont tous comme ça des informations, hein, s'ils streamac tous. Oh là là, oh là 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 là. Elle est trop forte ta cible, Losty. J'avoue que... Ouais, mais Losty, il est pas passé loin de la mort au début, hein. Au début, Losty, il était acculé à sa base. En 2v1. Losty, là, il a fait le gros dos, il a tenu. Kittle qui... Kittle qui chiale. Alors que Kittle, il m'a one-shot, il m'a tué en 1v1 dès le début, et il a rien fait après. Oh, regardez un fille. Un fille des paysans. Un fille des paysans. Il a pas vu les paysans. Il a pas vu les deux paysans, regardez, il a pas vu les paysans. Ça, c'est criminel, hein, de pas voir les paysans, hein. Oh, Kittle, arrête de te foutre de ma gueule, hein. T'as eu une chatte de cocu d'avoir la super faction pierre-feuille-ciseau contre moi, hein. Genre, la chatte absolue sur deux games de suite. Et t'as... Affi, les paysans. Trop tard. Les paysans sont plus là. Oh là là, il a... Là, il est... Vous savez que là, Affi, il arrive à tenir les chevaliers teutoniques, hein. Regardez ça. Hop. Attends, mais... Pardon. Vous avez vu d'où les châteaux tirent? Et le teuton, sa porte est intacte. Oh, la porte est intacte. Un fille passe pas. Les châteaux... Another villager is down. 37 de range. Ça tire jusqu'à la moitié de la carte. Et pendant ce temps, la guerre continue ici. Les châteaux commencent à être rasés, hein. Je crois que c'est la fin de l'Hurts. C'est la fin de l'Hurts. Allez. Un fille qui est venu encore backstab. Oh, l'abattoir. L'abattoir. Eh non, mais les châteaux, ils vont être compliqués à tomber, hein. Il leur reste encore 38 minutes. Il y a encore le temps. Oh, les archers, ça tire de loin. Un château en moins. Il est en train de raser le dernier château. Ah non, ça rase des bâtiments. Pas bon pour un fille que l'Hurts meurt. Un fille, en soi, ça va... Ah, putain, mais les vagues de cavalerie qu'il envoie. Attention à son or, hein. Ça coûte cher, hein, toute cette cavalerie-là. Le château... De toute façon, c'est fini, hein, pour l'Hurts. Malheureusement, là, la faction de Losty, il est parvenu à s'en sortir. Il était cuit, Losty, à un moment, hein. Losty était acculé dans sa base. Et regardez le DPS. Eh ouais, le pauvre Hurts. Belle bataille contre Losty, hein. Mais, eh, impitoyable, hein, si vous n'arrivez pas à gagner rapidement, à un moment. Le dernier château qui tombe, hein. Et maintenant, que va-t-il se passer? Nous avons la bagarre teuton. Oh là 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 là. Un fille qui est chaud. Hein. Putain, mais un fille. Un fille, le kill.
Un fils DPS, hein. Un fils des paysans. Un fils des paysans. Un fils des paysans. Ils étaient tous là. Oh là 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 là. J'espère qu'ils font l'espionnage, hein. Les carrioles. Alors, les carrioles. Les carrioles ont 28 de portée. Bon, attention, en face, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Il y a 22 de portée. Et les châteaux totons. Regardez les châteaux totons. Ils tirent depuis la base. Ils ont 37 de portée. Oh, un fille. Voilà, un fille. Vas-y, un fille. Dépêche les portes. N'aie pas peur, un fille. Dépêche les portes. Oh, la cavalerie. Non, mais, hey, les cavaliers d'un fille à 32 de dégâts, là. Ils nettoient tout, hein. Allez. Voilà. Tous les tireurs. Maintenant, que va faire l'hostie? L'hostie, je crois qu'il veut essayer de récupérer des bâtiments. Il reste encore du temps, hein. Oh, mais un fils qui... Un fils détruit les bâtiments de prod. Un fils, il est bien, là. Regardez, un fils. Allez, un fils, attaque. Envoie tout le pâté, un fils. Matez un peu le champion. Il a récupéré des villageois, un fils. Oh là là. Oh, le contingent. Ils sont à 3, ça y est. Ils sont à 3, ici. Il est en train de perdre tous ses bâtiments de prod, GamerZ, le toton. Tout est en train de tomber. Oh, il y a des paysans. Non, il n'y a pas de paysans. Je dis des bêtises, j'affabule. C'est l'âge, les gars, c'est les rhumatismes. Oh là là, il y a du monde. Oh, les chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques, ils DPS très fort. 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42. Ils DPS à 42, les chevaliers teutoniques, c'est des monstres. Un fils a tout perdu au niveau troupe. Oh, la bagarre. Ils se font un plan à 3, là. Il y a aucune alliance. Ils font les débiles, hein. Les paladins du teuton qui vont venir nettoyer. Oh là 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 là, les cheveux. Ça, c'est terrible, hein. Vous voulez pas que lui arrive au cac. Il vous découpe tout. Oh, mais ça découpe, mais ça, c'est que ça tombe aussi, hein. Le teuton sans support, là, il se fait aligner, hein. Ça fait, ah ouais, ça fait beaucoup de DPS en face. Fou le paladin. Oh, vous avez vu les armures, ça? 22 et 28 d'armure. Il n'y a plus de héros. Alors là, c'est pas une version Castle Blood héros. Il faudrait que j'essaie de trouver un... Il y a plein d'autres versions de Castle Blood, hein. Faut que j'essaie... Oh, un fille. Un fille qui DPS. Un fille qui est en train de tout découper. Il prend tout, un fille. Un fille à tout prix. Oh, l'armée. Allez, un fille, sortez paysans. On sait qu'ils sont là. Un fille qui doit avoir 50 paysans. Avec tout ce qu'il a rasé. Ah, mais attendez, un fille. Ils y vont à deux dessus. Ils veulent tuer l'hostie. Il reste encore une demi-heure de jeu in-game. Je suis incapable de vous donner un vainqueur. Il rase les bâtiments, regardez, un fille. Il rase les bâtiments de prod. Quel PGM, il a tout compris. Il wipe tout, regardez ça. Oh là là, vas-y, un fille, attaque, attaque, attaque. Et il se replie. Voilà, il rase les bâtiments de prod. Il a vu qu'il était attaqué dans sa base. Un fils se fait backstab par Gamers. Ouais, ouais, ouais. Mais ça tient. Ça tient, il vient nettoyer. Il repart à l'attaque. Et il va recommencer à attaquer la prod. Voilà, il attaque la prod. Oh, il y a des hussards. Allez, des bâtiments de prod en moins. Et il se replie. La prod de cavalier est folle. C'est con qu'il ait pas mis un meilleur point de ralliement. Oh, les paladins. Et ça, la fortune que ça doit leur coûter. À un moment, ils vont plus avoir d'or, hein. À un moment, ils vont avoir des problèmes d'or, hein. Regardez. La game est absurde, mais elle est géniale, hein. Oh là 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 là. Il y a aucune alliance, hein. Ils se bourrent dedans. Oh, les paladins. Oh, les paladins qui tombent. Ça coûte cher, ça. La masse de cave. Et ça fait 42 de DPS, hein. C'est pas de la merde, hein, 42 de DPS, hein. Il attaque. Oh, la masse de cave. Ça attaque.
Oh là 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 là. Oh les chariots qui tombent en bas. Touche à DPS fort. Attendez. Ok, là ça, y a une sacrée masse de troupes. Oh les chariots, ils prennent cher les chariots face aux élites ghetto là. Ça sort tout droit du ghetto les machins là. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça je pense hein. Et un fils qui snipe la prod. Ah là, un fils snipe la prod. Hop. Voilà. Ah, encore un villageois rasé. Un fils est plein de villageois. 2-5 qu'il a. Je sais pas ce qui va faire. Oh là, du paladin. Gamer Z. Oh, les chevaliers teutoniques. Oh, les chevaliers teutoniques, ils vont faire mal au cac. Hein. Les chevaliers teutoniques, ils sont terrifiants. Hein. Regardez comment ils DPS, les chevaliers teutoniques. Hein. Oh là 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 là. Oh, 35, ouais, mais les 42 dégâts, c'est terrible. Vous voulez pas affronter teutoniques? Un fils est en train de se faire casser la gueule. Hein. Un fils s'est fait laver. Hein. Un fils vient de se faire laver. Il est acculé à sa base, un fils. Ça commence à raser les tours d'un fil, pas les tours, pas la ligne Maginot. Le neck le plus ultra. Oh là là, les cavaliers d'un fil qui sortent de l'abattoir directement. Le stiché de violet. Ah ouais, ouh. Il est en train de raser la prod. La prod. Oh, ça y est, il y a des espions. Oh ouais, il y a du monde, il y a du monde. Mais un fil passe à la contre-attaque. Un fil en aggro. Allez, absurde la game. Hein. Oh là là, oh y'a 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 y'a. Ouh, ça manque de troupes de cac, tout ça. Hein. Putain, mais la quantité de cavaliers, mais à un moment, ils vont plus avoir d'or. Hein. À un moment, ils vont pas avoir assez d'or. Hein. Oh, les chevaliers teutoniques. Oh, tiens, c'est une hécatombe. Hein. C'est une véritable hécatombe. Hein. Oh, l'abattoir. Oh, la... L'abattoir. Et ils sont à... Il y a le teuton qui est là aussi avec ses paladins. Oh, l'attaque d'un fils, c'est contré. Voilà, réactif. Réactif, le petit raid. Oh là 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 là. Un fils qui s'infiltre. Il veut détruire la prod, allez. Ça attaque les bâtiments. Oh là là, elle est DPS, ce que ça fait son machin là. Allez. Allez, un bâtiment en moins. Et il repart comme un prince. Mine de rien, un fils a rasé 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments de prod. Qui était sur le côté. Hein. Et là, vous voulez pas perdre vos paysans. Hein. Si vous perdez vos paysans, c'est terminé pour vous. Hein. Oh le paladin qui revient. Oh là là, chevalier teutonique, paladin. Oh ça fonce, ça force. Oh les bâtiments de prod d'infi. Où ça va tomber. Allez. Oh, ça DPS. Hein. Oh, la bagarre ici. Non, mais... Je suis incapable de vous dire. Il est quand même... Ouais, le teuton est quand même un peu mal. Hein. Le teuton est un petit peu quand même mal. Mais là, regardez la masse de troupes. Hein. Est-ce que l'Earth n'est pas en train de prendre l'avantage, là? Mais un fils a encore de la prod, hein. Oh, The Chameau. Regarde-moi cette game d'animaux. Allez, ça attaque. Ça attaque les tours. Les tours sont en train de tomber. Ça y est, ça commence à détruire le SimCity d'un fils.
Oh là 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 là, belle bagarre. Ah, ça se replie. Oh, le... Oh, le paladin. Où les paladins? Le paysan. Le paysan. Ça veut tuer le paysan. Chope-le. Tue le paysan. Chope-le. Il l'a eu. Un paysan à moi. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est... Eh, il vient de passer à 42 DPS. Hein. Les paladins sont à 42 DPS. Et les cavaliers d'Infi sont à 42. Infi a été vachement efficace. Hein. Oh là 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 là. Et il a perdu aussi du DPS dans l'affaire, l'hostie. Alors, il a 0. Oh putain. Oh putain, alors ça. Alors ça. Alors ça, ça va peut-être lui coûter cher. Allez, détruis les bâtiments. S'il pouvait détruire la porte, là. S'il pouvait détruire la porte. Oh là 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 là. Et là, il y a... Écoutez, dans 15 minutes, in-game, on vote, hein. Hein, le Malien a une tech unique qui fait que son cavalier tape plus fort qu'un paladin. Bah, c'est sûrement pour ça. Et en plus de ça, il y a les villageois qui ont dû jouer. En tout cas, ça DPS, hein. Oh là 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 là, mais c'est un abattoir, hein. Ils arrivent pas à prendre le dessus, hein. Mine de rien, ça sent le match nul, ça, hein. Même le Toton qui est un peu à l'agonie... Bloodline activated. Bloodline. Bloodline, c'est pas pour la cavalerie, ça? Bloodline. Ligne de sang, c'est la cavalerie, hein. C'est la tech dans la cavalerie tout en bas. VV de la cave, ouais. Oh là 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 là, le DPS. À chaque fois qu'un mec veut taper un kill, c'est backstab, bien sûr. Bah là, maintenant, c'est un espèce de triumvirat. C'est un triangle, ils sont à équidistance. Et il n'y a aucune alliance de quoi que ce soit. Donc ouais, ils se mettent sur la gueule, quoi. J'ai oublié la tech unique. Regardez les dégâts des cavaliers d'Infi. Espèce d'âme battée. 67 de DPS. Il était à 42, il est à 67 de DPS. Il est monté à 67 de DPS. Infi, t'as 13 minutes, Infi, pour faire la différence avec tes nouveaux. Mais c'est un Golemus Rex. C'est Infi, le Golemus Rex. Merde, Monsieur Starrein, 19 mois. Oh là là, il faut plus de cavalerie, mais... Eh. Ah si, 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 ça continue de prod, hein. Ça continue de prod, hein. Oh là 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 là. Ça sort du cavalier aussi, chez l'hostie, hein. Mais là, c'est pas les mêmes, hein. Un fille qui a des fulgurances, parfois génial et parfois autistique. Mais tu sais, les deux sont entremêlés. C'est pour ça que c'est toujours surprenant. C'est qu'il ne le fait pas exprès et il en est extrêmement fier. Oh là 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 là, et là, sa cavalerie maintenant va commencer à faire mal aussi. Ah oui. Infi, t'as de la cavalerie chez le vert. Je sais qu'il écoute le stream. Infi. Infi. Infi, y'a quelqu'un. T'as de la cavalerie chez le vert. Regardez. Oh là là, wow, 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 wow. Oh la bagarre, ça commence à attaquer la prod d'Infi. Paladin. Oh la bagarre. Non mais ce sont des animaux. Ce sont des animaux, mais c'est génial, hein. Oh là là, oh les chevaliers teutoniques, ça fait... Oh, ça tank. Infi qui va chercher. Et là, les chevaliers, ils les touchotent. Ils les touchotent quasiment, les cavaliers, c'est dingue. Les chevaliers teutoniques, pardon. Mais quel giga golem. Golemus Rex. On avait Andréane le golem, on a trouvé Golemus Rex. La terreur des golems. Oh là là, il y a Infi qui arrive avec sa masse. 67 de dégâts. Oh mais regardez le spam. T'as flé au cas de ça.
le moteur arrive à tenir ça sans problème. Hein. Il y a zéro lag, rien. Oh là 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 là, un bâtiment qui tombe en bas. Pendant ce temps-là, on sneak. Le teuton attaque. Le bâtiment Infi s'est fait repousser. La prod d'Infi a un peu diminué. Hein. La prod d'Infi a un peu diminué. Ils sont à court de jus. Hein. Il leur reste encore 14 minutes. Et après ça, ce sera à vous de voter. Ce sera à vous de voter après. 14 minutes, hein. Ils ont les, ces trois beaux joueurs. Hein. Ils font une belle, les trois font une superbe game. Hein. Heureusement que cette merde de Kittle n'est pas là. Parce que après ce qu'il m'a fait, je voulais surtout pas devoir voter pour lui. Mais quand même, quoi. Oh là là. Le... Putain, mais les animaux. Oh. C'est un 2v1, même pas! Ils se foutent sur la gueule aussi, c'est con! Regardez l'autre qui demande si c'est un 2v1! Mais il voit pas ce qui se passe! Mais si, il devrait voir ce qui se passe, justement! C'est absolument pas un 2v1! Tu aurais fait la même chose à ma place, mais bien sûr! Je te reproche rien! Je dis juste que je suis heureux que tu sois mort! Je dis juste que je suis heureux que tu te sois fait péter la gueule! Voilà! Je dis rien d'autre! Bien sûr que j'aurais fait la même chose à ma place! Oh là 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 là, ça tire, ça tire. Attendez, mais il y avait quelqu'un qui avait pas fait l'espionnage, là? C'est qui le couillon qui avait pas fait l'espionnage? C'est l'hostie qui avait pas fait l'espionnage? C'est pour ça qu'il croyait que c'était un 2v1? Oh, les paladins, oh, les paladins. Écoutez, moi, je crois que... On est arrivé à un stade de match nul, là. Oh, les canonniers à main qui vont se faire laver. Oh oui, oh là là, oh les one-shot. Ils se font one-shot, hein. Ils se font OS, hein. Et là, l'infi, il fait tellement de DPS, il OS. Non mais, regardez ce qu'il fait aux paladins. Il les two-shot. Ah non, non, les paladins sont quand même à 280 de vie. Ça tente bien, les paladins. Oh, la masse de troupes. Alors là, c'est très défensif, ça, mais... Oh, le peloton d'exécution, c'est le dernier samouraï. Avec les paladins. Ah là là. Infi a pas fait Bloodline. J'espère que si, hein. Infi, t'a fait Bloodline. Infi, va dans tes camps de cavalerie. Regarde si t'as pas oublié de faire des trucs en bas. Doit y avoir des options. Je sais pas si l'Ethiopien a Bloodline. Il a oublié de faire Bloodline. Attendez, il fait des hussards, hein. Il fait de la cave. Je crois qu'Infi a plus de thunes, hein. Est-ce que Infi n'est pas à court d'argent? Je crois qu'Infi... Ah non, ouais, 60 PV. Je crois qu'Infi s'est essoufflé dans cette game. Infi s'est essoufflé dans cette game. Et il ne reste que 4 minutes. Je crois que vous allez devoir voter. Le chat va voter. Et Infi qui attaque avec sa cavalerie légère. Attendez, la cavalerie légère, elle est à 60. 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60. La cavalerie légère est à 62 de DPS. La cavalerie légère est à 62 de DPS. La cavalerie légère, elle met deux coups, elle... Bon bah elle envoie quoi. Oh là 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 là. Infi est essoufflé dans cette game. Infi est cuit. Je crois qu'Infi va miser sur le vote du chat pour le plus beau jeu. Écoutez, 3 minutes. Attendez, il a senti le sang dans l'eau. Le teuton qui se dit qu'il peut peut-être tuer un fille. Mais non, tu vas pas tuer quoi que ce soit. Oh là là, la portée. Oh la portée de ces machins. Ouh, ah non, un fille qui attaque le château, regardez. Mais quelle crapule. Regardez. Non mais c'est... Il vient de raser un des châteaux du teuton. C'est génial. C'est pour toute la cave malienne. Oh là 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 là, c'est fort. Oh, par contre, là, un fil, il est cuit, hein. Un fil, là, il est au bout du rouleau, hein. Un fil, là, il body block. Je me sens focus. Ah bah, t'as raison, là, regarde ce qui arrive. Faut que tu tiennes, pépère. Faut que tu tiennes 1 minute 30, hein. Ce move de gobelin facétieux. Complètement. Bon, c'est du un fil, hein. C'est du un fil tout craché. Oh là 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 là. Oh là là, eh, là, c'est compliqué, hein. Eh, ça joue le jeu quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais l'hostie attaque les deux joueurs en même temps. L'hostie attaque les deux joueurs en même temps.
paire de couilles. Belle paire de couilles quand même. Et il y a le teuton aussi. La porte qui a tenu. Mais non, la porte va pas survivre quand même. Attendez, il rase les châteaux là. Non, il rase pas les châteaux. Si. Oh, mais les châteaux, il y a trop de vie. Ça tire dans les châteaux. Trop tard. Écoutez, 1 minute 14. Je vais aller faire le pole. Quel game. Stream manager. Alors. Attendez, je vais faire ça. Hop. Nouveau pole. Qui est le vainqueur? Alors, Losty. Non, c'est pas Losty, c'est qui? Si, c'est ça. C'est Losty. Losty qui est le bohémien. Gamerzy, le teuton. Ou Infi, l'éthiopien. Allez, je vous laisse 2 minutes pour voter. 2 minutes. C'est parti. Le poll a été créé, le sondage. Moi, je sais pour qui je vais voter. Hein. Je sais. Oh là là. Oh oui, bah oui. Losty, deuxième. Le pauvre Gamerzy avec ses totons. Mais qui était en train de mourir en plus, ça. Vous savez que je crois que Losty était en train de gagner. Losty, à pas grand chose près, était en train de gagner sur les deux fronts. Il les prenait en 1v1. 16 votes pour Infi, 10 votes pour Losty, 3 votes pour Gamerzy. Oh là 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 là! Regardez ça! On peut tirer notre chapeau à Losty! Qui était en train de gagner quand même sur les deux fronts, Losty! Hein. Peut-être qu'avec 20 minutes de plus, Losty il a gagné! Hein. Regardez ça! Infi qui avait fait un marché! Infi avait fait un marché! Pour les ressources! Infi n'avait plus de ressources! 17 votes pour Infi, 13 votes pour Losty, 3 votes pour Gamerzy. Oh là 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 là, eh c'est beau. On peut dire ce qu'on veut, mais Losty, il avait presque la win à la fin. Ah, il aurait peut-être gagné aux ressources. Infi n'a plus de ressources. Il a que son unité unique qui sort désormais. Et je crois qu'il peut plus rien produire. À part de la cavalerie légère. Qui n'a pas voté dans le chat, hein? 17 votes pour Infi, 3 votes pour Gamerzy, 13 votes pour Losty, il reste une quinzaine de secondes pour voter. Belle game. Très belle game. Plus de bouffe. Oh là là, ils sont à court de ressources. Ils sont à court de ressources, les animaux. Plus rien de vos côtés, même plus de pierre ou de bois. Infi a plus de ressources. Infi a plus de ressources. Et c'est Infi. Oh, Losty était à 16. À une voix près, c'est Infi qui est déclaré vainqueur de cette game. Losty, deuxième avec 16 voix. Alors qu'il était en train de gagner, c'est terrible. Mais les gars, 1h15, c'est la loi. C'est la loi. Aïe, c'est terrible. Hein. Terrible, mais bon, le spectacle. Le spectacle, là. Bravo, Losty, quelle honte. Ah, mais mec, 1h15, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Vous avez 1h15 pour faire le spectacle. Vous n'êtes pas là pour forcément gagner. Vous êtes là pour faire le spectacle. Et Infi, Golemus Rex, a fait le spectacle. À une voix près, hein. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Belle game, bravo, les gars. On va aller voir les stats. Losty 4400 kills, Gamerzy 4080. Ma porte est encore là, j'avoue. Belle game, Infi, t'as été déclaré vainqueur par le chat à 17 voix contre 16 pour Losty. Tu as été déclaré vainqueur, Infi, bravo. C'était une très belle game. Et ouais, Infi 3000 kills, magnifique. Magnifique. Économie. Infi a fait de l'or. 4700 d'or. Égalité, bah non. 17 à 16, Galpin, c'est pas égalité.
Je suis vainqueur, c'est marqué sur l'écran. Ça marche pas comme ça ici. À 1h15, s'il y a égalité et que tous les châteaux n'ont pas été rasés, c'est le chat qui décide du vainqueur, pas toi. Et le chat a décidé que c'était un fille qui a gagné. Oui, mais moi, j'ai pas voté, là, je vote. Bah, c'est trop tard. Dis-moi, Galpin, quand le bureau de vote est fermé, tu peux pas aller voter. Fallait voter quand le bureau de vote était ouvert. Il est resté ouvert 2 minutes. Et je gagne en 1v2 absolument. Mais t'as pas gagné. Pas de bol. Fallait gagner avant. Je bourre l'urne. Oh, y a pas que l'urne que tu bourres, Galpin, en ce moment, non? J'ai même oublié ligne de sang. Rien que pour ça, tu mérites un vote. Très belle game, en tout cas. Bravo à tous. Hein. C'était beau. Hein. Chapeau. Hein. Bon, écoutez, on recommencera de temps en temps. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, peut-être dimanche. Dimanche soir, on se fera quelques games. Et j'essaierai peut-être de trouver d'autres Castle Blood. Vous savez qu'il y a des super Castle Blood héros. Encore, non, ça suffit. C'est bon, j'en ai marre, moi, de tomber contre Kittle à chaque fois qu'il y a mon parfait contre. Hein. Une autre, non. Moi, j'en ai plein le baba. Moi, je me fais one-shot dès le début par l'autre, là, qui a le parfait contre à chaque fois à ma faction. J'en ai plein voilà, j'en ai plein le baba. Une autre salaud. Non, mais le mec m'insulte en plus. Je t'emmerde. Voilà. Bon, je m'arrête là. Demain, il y aura Chouan qui sera là en après. On fera on continuera notre coop Warhammer Vampire. Et en soirée, une autre des seigneurs. Non. Et les anneaux de pouvoir, il va falloir débloquer le prochain épisode. Et là, j'ai le temps. Je suis tranquille. J'ai fait mes 3 épisodes débloqués. Le 4ème n'est pas débloqué. Moi, je ne regarde plus cette merde. Hein. Voilà. Et attendez, je vais aller voir. Et je crois que demain, peut-être du Company of Heroes, si je trouve des gens dispo de la team. Sinon, je ferai du Divide and Conquer. Je continuerai mon run avec les elfes. Voilà. Et sur ce, passez une bonne soirée. Il y a un fille qui en fait une autre de game, si vous voulez. Un fille en fait une autre. Et un fille a son stream d'allumé. Il y a un fille qui a son stream d'allumé. Je vous copie le lien. Voilà. Si vous voulez aller voir chez un fille. Merde, je me suis trompé. Hop. Hop. Voilà. Moi, je me tire. Allez, passez une bonne soirée. Bonne fin de semaine. Puis peut-être dans les prochains jours. Allez, ciao, salut.